Mishnah, Yud Gimel, encore une Mishnah. Mishnah 13. C'est Rabbi Yehuda. Quand on dit Rabbi Yehuda, c'est quel Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Yehuda Barilaï. Il est en Terra Tzfat, Rabbi Yehuda Barilaï. Il est sur la route. D'accord? C'est pas Rabbi Yehuda Nassi. Quand on dit Rabbi Yehuda tout seul dans la Gemara, dans le Talmud, dans le Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Barilaï. C'est une ségoula pour la Parnassa, lui. D'accord? Il était aussi l'élève de Rabbi Akiva. Élève de Rabbi Akiva. Il était aussi l'élève de Rabbi Lazar Ben Orkonos, le grand Rabbi Lazar, qui était le maître de Rabbi Akiva. Quand c'était des grands maîtres, une grande époque. Quand il était jeune, il étudiait, quand Rabbi Yehuda Barilla, il étudiait quand il était jeune chez Rabbi Tarfon, à Loud. Pour vous dire un peu l'époque, un peu vous situer. Il y avait Rabbi Tarfon, il y avait Rabbi Akiva, Rabbi Lazar Ben Orkonos, c'était le maître de Rabbi Akiva. Il a étudié aussi chez lui. Donc c'était des grosses têtes, comme on dit. Ok. Il faut savoir que quand Rabbi Yehuda il est en marloquette avec Rabbi Meir, ou avec Rabbi Shimon, toujours à la haké, Rabbi Yehuda. C'est lui qui l'emporte. Tout ce Rabbi Yehuda là, c'est lui qui l'emporte. Quand il y a une marloquette, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à la haké Rabbi Yehuda. C'est pas comme Rabbi Meir. Comme c'est quand c'est lui en marloquette avec Rabbi Shimon, à la haké Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Shimon. C'est pas que les autres c'est faux. C'est que les autres c'est trop profond. C'est tellement trop profond qu'on peut pas on peut pas l'adapter à tout le monde. Alors là, l'hal est comme Rabbi Yehuda. C'est plus adapté à tout le monde. Des fois quand un homme il est trop profond, même qu'il dit des choses vraies, mais trop profondes, les gens sont dépassés, ils n'arrivent pas à le comprendre. Donc on ne peut pas fixer l'alha sur quelque chose de trop profond, parce que c'est plus dans le commun de tout le monde, dans l'important de tous. Donc on préfère quelque chose de plus léger, et faire que l'alha est dans le plus léger. Donc Rabbi Yehuda, il était plus adapté à tout le monde que Rabbi Meir ou que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une bonne chose d'aller se prier là-bas, c'est une bonne chose. Ça, il faut prier là-bas, vous demandez là-bas par le fruit de Rabbi Yehuda Bar Ilaï qui nous amène un petit peu de forêt, un peu d'argent et tout ira bien. Enterré, il est sur la route de Sfat. On est parti une fois à un tioul. Vous vous rappelez? Oui. Dans une petite grotte, on est descendu là-bas, dans un bignan. Ouais. C'est là qu'on va aller. Non, là, c'est dans le sud qu'on va. On n'a pas dit prier. Ou alors on n'aurait rien du tout. Ouais, je crois, ouais. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voilà. Avec le Ravacher, on va prendre tourne. Alors, Rabbi Yehuda, ouais, il faut apprendre. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda. Moi-même, d'accord. Alors, on termine avec cette Mishnah là. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit. Donc ce Rabbi Yehuda Barilla, ce tzaddik là nous dit la chose suivante. Eve Zahir Betalmud. Fais attention à l'étude du Talmud. Soit pointilleux, soit étudie bien les choses. D'accord. Soit précis dans l'étude. Pas à peu près. Pas à peu près. Soit précis. Dans chaque étude que tu fais, soit précis, va au fond des choses, ne fais pas du à peu près. Pourquoi? Parce que Shgagat Talmud Ola Zadol. Parce que quand un homme il va faire une faute, Shgagat Talmud Belimudo, il va laisser un peu le limud, l'étude de côté, il va pas aller à fond, il va pas bien étudier. Cette faiblesse de à peu près, ce côté de à peu près dans l'étude, demain ça va lui retomber sur la tête. Ola Zadol. Ça va lui faire un péché volontaire. Puisqu'il est faible dans l'étude, les actions qu'il va faire vont être faibles. Et demain, ces actions seront bémésides. Il va les faire volontairement. Manque de connaissance, manque d'assiduité, manque de précision de la halakha. Comme lui, c'est tout à peu près léger. Alors les actions sont légères. Arriver à même des actions voulues. Et des transgressions voulues, bassof. En pensant, bon, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? T'as fait transgression Shabbat, bémésides. Dû à quoi? Dû à ta faiblesse de voir la halakha dans les textes comme il faut. T'as pas été méticuleux, t'as pas été pointilleux dans la halakha. T'as pris tout à la légère. Alors ton action est venue, tu es venu maintenant coupable dans tes actions. Tu es coupable de tes actions. D'accord? Donc la légèreté dans l'étude emmène que tu deviens coupable de ton action. Responsable de ton action. D'accord? Voilà ce que nous dit Rabbi Yehuda. Si tu n'étais pas
faible, comme ça, tu ne sais pas laisser aller, tu ne serais pas arrivé à faire cette action tordue-là. Tu ne serais pas arrivé à faire un péché aussi grave. D'accord ? Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, qui c'est Rabbi Shimon ? Qu'on dit Rabbi Shimon tout seul ? Bravo. Quand on dit Rabbi Shimon tout seul, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était aussi l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Pour vous dire, Rabbi Akiva, c'était la sommité, c'était le maître. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il nous dit ? Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il nous dit ? Rabbi Shimon Bar Yochai. Shlosha Ketarim, il y a trois couronnes. Keter Torah, la couronne de la Torah. D'accord ? Comme c'est marqué Va'adarta Penezaken, nous on apprend qu'il y a une couronne de la Torah. C'est marqué Va'adarta Penezaken. Qu'est-ce que c'est le Zaken ? C'est pas le vieux avec la canne. Quand on dit Zaken dans la Torah, c'est le sage. Il peut être jeune d'âge, mais il est sage. On l'appelle Zaken. C'est notre icône. Ze Shekana Chorma. Notre icône Zaken, Ze Shekana Chorma. Nun, c'est la Chorma. 50. D'accord ? Ze Shekana Chorma, ça allusionne à la sagesse de l'homme. Donc il peut avoir 18 ans et être un sage. Comme Rabbi Lazar ben Azaria, il avait 18 ans, il était le chef de tous les sages. Il était le maître de tous les sages. Il avait 18 ans, et il était le maître de Rabbi Akiva, pour vous dire. Rabbi Lazar ben Azaria, qu'on voit dans la Haggadah. Et Dieu, il lui a fait un miracle, il a eu des tresses blanches, qui ont poussé parce qu'il avait une petite barbe noire. Il a dit, comment, j'ai honte, moi, ils sont toutes blancs et moi, je suis noire. Chemin. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu, dans la nuit, il lui a fait un miracle, il est devenu des poils blancs, qui ont poussé comme ça, 18. Poils blancs, ils ont poussé pour lui montrer que Hachem, il accepte ça. Va, enseigne-leur la Torah. 18 ans, il avait. Ça veut dire que la chorma chez un juif, c'est pas l'âge. C'est ce qu'il y a là-dedans. D'accord ? S'il n'est pas là-dedans, il est vide, il est pas né encore. Okay, alors ça, c'est la première couronne. Keter Torah, c'est la couronne de la sagesse. Donc, Zeche Kanachoma. Vadarta Penezakem. C'est quoi Vadarta ? Adarta, c'est le rayonnement, le Hadar, la beauté, le... D'accord, Hadar, c'est la seule couronne, comme une couronne, c'est merveilleux. Donc Hadar ta pene zaken, la face du vieux, la face donc de la sagesse. Donc c'est ça la couronne. Keter Keuna, c'est une deuxième couronne qui s'appelle Keter Keuna. Le Keter de la Keuna de Kohen. D'accord ? Comme c'est marqué Kadosh Yelecha. Ça c'est la couronne de la Keuna. Mais Keter Malchut. Et la couronne de la royauté. D'accord ? Comme c'est marqué, on a vu ça dans la paracha, Som tassim alech ameler. Tu mettras sur toi un roi. Donc, couronne de la royauté. Keter Shem Tov, et une quatrième couronne. Alors, on a dit, il y a trois couronnes. Torah, Keuna, et royauté. Tout d'un coup, il nous dit, il y a une quatrième. Et cette quatrième, Ola al-Gaben, elle est au-dessus des trois premières. Au-dessus de la couronne de la Torah, au-dessus de la couronne de la royauté, au-dessus de la couronne de la Keuna. C'est quoi la quatrième qui est au-dessus des trois autres couronnes ? Keter Shem Tov, avoir un bon nom. Une bonne renommée. Keter Shem Tov, la couronne d'un bon nom. Pas on dit celui-là, ah c'est là, c'est un voyou, celui-là. Ah celui-là, c'est un rachat. Après sa mort, ah celui-là, il était comme ça, c'est un combi, etc. Ah, non. Et qu'on a un Shem Tov, ça monte au-dessus de toutes les couronnes. D'avoir un bon nom. Tov Shem, Mishemen Tov, Miyoma Vefes, Miyoma Valdo. Comme ça dit Rahamim, Shlomo Améler. Tov Shem, c'est mieux un bon nom que la meilleure des huiles. À l'époque, l'huile, c'était précieux. Tov Shem, Mishemen Tov, Miyoma Mavet, le jour de la mort, mieux que le jour de la naissance. Parce que la mort, on va voir le parcours du bonhomme. Quand il part, on a vu son parcours. Mais quand il est, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Un voyou, à quoi ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Je ne sais pas. Donc, le parcours à la fin de la vie, c'est là qu'on va prouver qui était le bonhomme. Donc c'est là qu'on dit celui-là Keter Shem Tov. Même pas quand il naît. Quand il naît, on ne sait rien de lui. Il peut être un estime, il peut être un voyou, un brigand. Ça veut dire quoi, donc, un bon nom ? Un bon nom. Tout le monde l'aime, il est agréable, tout le monde, il est connu, il est aimé, il est gentil. Ça passe avant tout, ça. Keter Shem Tov. Être bien avec les gens. D'accord ? D'accord. Bon, on va s'arrêter là pour les deux Mishnayot. On a fait donc deux Mishnayot aujourd'hui.